de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume, oui, je viens bientôt. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Bonjour à tous chers frères et sœurs, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien, nous nous retrouvons aujourd'hui donc sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler d'un événement tragique qui s'est passé donc il y a de ça quelques années aux États-Unis, et on va voir dans cet événement que le Seigneur avait malheureusement, j'ai envie de dire, ou heureusement, parlé par la bouche d'un chrétien évangéliste qui était donc à l'entrée de cet événement et qui a annoncé tout simplement la repentance, l'amour de Dieu, le changement de vie, l'abandon du péché. Mais les gens se sont moqués, les gens ont insulté et les gens se sont quand même rendus sur ce lieu. Et pour beaucoup d'entre eux, ils ont malheureusement trouvé la mort. Et on voit que dans cet événement que le Seigneur avait parlé en appelant. C'est un appel vraiment que le Seigneur a fait et on va tout de suite donc en parler dans cette vidéo. C'est une vidéo que j'avais déjà fait sur ma chaîne et que je souhaitais refaire parce que j'avais oublié pas mal de détails. Et j'avais décidé de la refaire vraiment avec plus d'éléments pour vraiment vous montrer la main de Dieu. Donc il s'agit tout simplement d'une tuerie de masse, hein, une fusillade de masse qu'il y a eu aux États-Unis. Alors il faut savoir que cette fusillade est la plus meurtrière des États-Unis. Là tout de suite à l'écran, je vous classe donc ces fusillades de masse aux USA, les 10 plus meurtrières de ces 50 dernières années. Donc à partir de 1966 jusque donc aujourd'hui, celle de Las Vegas dans le Nevada donc a fait 527 blessés et 59 morts. Et il y a donc le tireur aussi qui s'est suicidé. Donc en fait, il faut savoir que c'était vraiment la pire fusillade après celle de Orlando, Floride. Orlando, Floride qui était aussi... il y a eu moins de blessés, mais il y a eu beaucoup de morts également. Où là, c'était quelqu'un qui s'était rendu dans un lycée avec une arme pour tuer tous les lycéens. Donc c'était vraiment un carnage. Et aujourd'hui, avec ce qu'on voit dans l'actualité mondiale... qu'il y a de plus en plus justement en France de gens qui sont par exemple poignardés tout ça par les extrémistes islamistes, malheureusement c'est vrai que, enfin j'ai envie de dire heureusement qu'il n'y a pas d'armes à feu sur le territoire européen, parce qu'on aurait ce genre de phénomène aussi en France, et ça c'est vraiment quelque chose de bien, c'est très réglementé les armes à feu aujourd'hui. Donc vraiment merci Seigneur pour ça, mais en tout cas là-bas où on peut acheter facilement des armes à feu, eh ben on peut aussi, certains, on ne sait pas pourquoi, hein, donc je pense qu'il y a de l'influence démoniaque et aussi du psychiatrique, donc généralement aussi le psychiatrique peut aussi aller avec l'influence démoniaque, eh ben il y a des gens qui voilà vont s'amuser à tuer comme ça, c'est hallucinant, et il y en a de plus en plus, hein, et avec une froideur. Donc en fait déjà premièrement moi ça me choque parce que ces gens là foutent leur vie en l'air, donc soit ils se suicident, soit ils se retrouvent en prison à vie, et avec tous leurs regrets, leurs remords, et en plus ils tuent d'autres personnes, donc ils mettent aussi d'autres personnes tout simplement dans une tristesse de toute une vie, hein, où on perd un enfant, où on perd un proche. Donc c'est vraiment dramatique. Donc là, cette fusillade a eu lieu donc le 1er octobre. Donc il y avait un Américain qui s'appelle donc Stephen Paddock, donc un monsieur de 64 ans qui a ouvert le feu sur le public d'un concert de country en plein air, donc tuant donc 58 personnes et blessant environ, on était à 500 mais on est plus dans les 800 avec il avait donc 22 000 fans et donc ça s'est passé donc à Las Vegas. Il a tout simplement ouvert le feu depuis la fenêtre de son immeuble, donc en fait on a pu voir sur les vidéos de surveillance qu'il est monté vraiment très serein. Il a même pris le temps de discuter avec des femmes de ménage, d'entretien, des bagagistes. Donc il a pris son petit déjeuner, il a joué aux machines. Il est monté dans sa chambre tranquillement. Il a cassé la fenêtre et il a commencé à ouvrir le feu. Donc il avait 11 fusils, si je ne dis pas de bêtises. 18 fusils, des explosifs plusieurs centaines de munitions dans sa chambre, et il a commencé tout simplement, chargeur après chargeur, à arroser la foule qui était donc en contrebas, quelques centaines de mètres.
Donc là, on voit tout de suite la vue qu'il avait donc de son immeuble. Et le gros chapiteau qu'on peut voir là avec le toit vert, et ben en fait, sur l'avant où on voit la pelouse, c'était là où il y avait tous les gens. Donc il y avait quelques centaines de mètres. Et voilà, donc il s'amusait. Donc il y a beaucoup de vidéos qui sont disponibles sur YouTube. Je peux pas vous en poster, sinon la vidéo va être bloquée. Mais en tout cas, on voit vraiment, on entend les claquements des balles avant la détonation de l'arme. C'est ça en fait les caractéristiques, c'est que souvent on entend le claquement de la balle qui a déjà impacté, et seulement après on entend la détonation, parce que la balle part plus vite que la vitesse du son, qui est à 360 mètres secondes, et les projectiles généralement pour une Kalachnikov, hein, c'est de 700 mètres secondes à peu près, et pour là les fusils qu'il a achetés, ça fait moins d'impact, mais la balle part un peu plus vite, on est un peu pas loin de 1000 mètres secondes. Donc s'imaginer, en une seconde la balle a quasiment parcouru 1 km. Donc c'est pour ça qu'on entend la détonation après l'impact, et c'est ce que les gens ont eu. Ils entendaient des claquements partout, donc les gens là-bas sont habitués aux armes à feu, et donc on commence à courir dans tous les sens. Il y a eu voilà des gens qui ont été touchés, ça a été vraiment un carnage. Et ensuite les forces de l'ordre sont intervenues donc dans l'hôtel où le tireur s'était donc suicidé. Et en fait dans cette histoire, c'était un festival de country, donc où il y avait beaucoup de personnes fortement dénudées. Il y a eu tout ce qu'on peut connaître aussi derrière, hein, beaucoup d'alcool, hein, du sexe en plein air, voilà, c'est vraiment la débauche, hein, l'ivresse, tout ce que Dieu condamne, hein, les gens qui vivent une vie d'insouciance, dans le péché, loin du Seigneur. Et cet évangéliste qui a prêché donc aux abords de ce festival avant que les gens ne rentrent, annonçait, donc j'ai pu traduire et écouter un peu ce qu'il disait, donc pas bien sûr en anglais, et il expliquait en fait de se repentez-vous, ne vivez pas selon la chair, votre chair n'en a jamais assez, votre chair vous emmènera à vous occuper de votre chair, c'est-à-dire que voilà, la chair en veut toujours plus, hein. Et il expliquait que voilà, on pourra toujours passer sa vie à boire, à faire la fête. Est-ce que c'est ça votre vie? Est-ce que vous résumez votre vie à ça? Est-ce que vraiment vous voulez passer votre éternité loin du Seigneur? Est-ce que vous choisissez de suivre votre corps, votre chair, plutôt que d'écouter l'Esprit de Dieu aujourd'hui? Voilà ce qu'il prêchait approximativement lors de cet événement. Il y a des gens qui se sont approchés pour essayer de l'intimider, il y a des gens qui ont rigolé, et lorsqu'il a prononcé justement le fait de dire est-ce que la vie c'est ça, se résume à ça, le sexe, la drogue et l'alcool et le rock'n'roll, les gens ont tous crié en disant oui c'est ce qu'on veut, voilà, en applaudissant dans la joie, parce que c'est ce qu'ils cherchaient, c'est ce qu'ils voulaient. Donc là on voit clairement que vous savez, Dieu ne fait pas, la Bible nous dit que Dieu ne fait pas les choses par hasard. Tout arrive selon la volonté de Dieu. Et là, en l'occurrence, comme il y avait vraiment cette multitude, cette masse de péchés, on prend un risque que le diable réclame à Dieu, parce que Dieu ne crée pas le mal, mais on prend le risque que le diable réclame à Dieu que cet endroit du monde où il y a beaucoup de choses mauvaises, le diable peut réclamer tout simplement son droit à réclamer l'âme des gens qui peuvent être là. Et c'est ça le danger quand on n'est pas dans le chemin de Jésus-Christ. En fait, le diable a un droit sur nous. Et il peut demander. Par contre, si Dieu sait que les gens vont se convertir, Dieu protège jusqu'à un certain moment. Mais là, en l'occurrence, Dieu a lancé son message par la bouche de cet évangéliste en disant « Repentez-vous, n'y allez pas. N'allez pas dans cette fête. » Ce monsieur le disait clairement, « N'allez pas dans cette fête. Ne faites pas ça. » Et les gens se sont moqués, les gens y sont allés, et 60 personnes qui ont perdu la vie. Et c'est toujours une question de combat entre la vie et la mort, non pas charnelle, parce que Dieu se moque de la mort charnelle, mais c'est toujours la mort spirituelle. Si la personne décède, et qu'elle n'était pas en vie avec le Seigneur, c'est le séjour des morts, c'est l'enfer. Il faut parler clairement. Mais par contre, la Bible est très très claire sur ce point. On ne peut pas dire qu'il repose en paix, c'est faux. Ça c'est complètement faux. La Bible nous dit qu'après la mort vient le jugement, et on voit bien que par exemple l'homme riche avec Lazare est mort dans le péché, il s'est retrouvé dans le séjour des morts, donc en enfer. Par contre si on meurt avec Christ, on ne passe pas en jugement et on est auprès du Seigneur directement dans le sein d'Abraham, donc on appelle communément aujourd'hui le paradis.
Voilà. Et donc là, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, voilà, ces gens n'ont pas écouté et ils se sont retrouvés, donc malheureusement, pour la plupart dans le séjour des morts. Donc, on ne sait pas comment Dieu juge, bien sûr, donc je ne veux pas non plus de donner de choses, dire comment ça s'est passé pour eux, mais en tout cas, ce sont des gens qui sont partis se livrer de façon volontaire dans les choses du monde, dans l'alcool, le sexe, la drogue et compagnie, et automatiquement, voilà ce qui s'est passé. Donc voilà ce drame incroyable, comme on peut retrouver, comme je le dis toujours, dans beaucoup d'endroits. Hein. Aujourd'hui, on a des actes terroristes partout. On a vu en Israël, des gens ont été tués dans les arrêts de bus. On a vu donc là, très récemment, en France, à Arras, il y a quelqu'un qui est encore un professeur qui a perdu la vie, avec aussi Samuel Paty qui avait été décapité. Donc on voit que du jour au lendemain, la mort peut frapper, en fait, par un fou que le diable va utiliser. Hein, parce que des gens qui font des tueries comme ça, des gens qui massacrent, ne font jamais ça au nom de Dieu. On peut dire que c'est le Seigneur, ou voilà, il y en a qui vont dire ouais, c'est la religion, c'est faux, c'est entièrement faux. La Bible nous dit que Dieu ne crée pas le mal. Dieu ne peut pas amener quelqu'un à tuer comme ça. C'est automatiquement le diable qui est derrière tout ça. Et la Bible nous dit également que Jésus avait prédit qu'à la fin des temps, il y a des gens qui vont se lever et qui vont tuer d'autres personnes pensant rendre un culte à Dieu. Donc ils vont être dans un leurre en fait. Ils vont croire qu'en tuant, ils vont mourir en martyr, ils vont servir le Seigneur. Mais c'est faux, Dieu n'a jamais eu besoin de quelqu'un pour faire sa justice. Et Dieu ne crée pas le mal, Dieu ne tue pas des gens. Dieu est amour. Dieu demande justement ce qu'on apporte l'évangile. Donc là on voit vraiment clairement que cet homme a très certainement été utilisé par le diable pour amener voilà, ces 60 personnes à mourir. Voilà, donc je vous ai mis pas mal de photos pour vous montrer un petit peu le drame que ça a été. Imaginez les familles, imaginez les gens qui étaient sur place, le traumatisme. Et là on voit clairement que Dieu, une fois de plus, dans son amour, dans sa bonté, n'a pas jugé ces gens, mais les a appelés à revenir de leur mauvaise voie, à revenir dans son chemin. Chose qu'ils ont, bien sûr, de leur plein gré refusé. Donc voilà, c'est toujours comme je dis, en son âme et conscience. Hein. Dieu ne force personne. On peut choisir de le suivre, de l'écouter. On peut choisir de ne pas l'écouter, de suivre sa propre voie. Et n'oublions pas ce que le diable a fait avec Jésus. Il a tenté Jésus. Donc il a essayé de l'emmener dans le péché, dans le monde. Il lui a proposé les royaumes, il lui a proposé la gloire, l'argent. Et aujourd'hui, les gens courent vers ces choses-là, n'écoutent plus la voix de Dieu. Et après, les gens pleurent parce qu'il y arrive des malheurs. Mais il faut savoir que Dieu est un gentleman. Si vous rejetez Dieu de votre vie, il ne faut pas s'attendre à ce que le diable vous fasse de cadeaux. Le diable va se faire plaisir. Hein. Et aujourd'hui, les gens se posent des questions de savoir pourquoi j'ai autant de malheurs dans ma vie, pourquoi il m'arrive ceci, pourquoi il m'arrive cela. Mais le Seigneur ne protégera pas les gens qui ne veulent pas le suivre ou qui le rejettent de façon clairement dans leur comportement, dans leur le fait de se livrer volontairement au péché. Donc voilà, donc moi, chers frères et sœurs, ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est vraiment repentez-vous, demandez pardon au Seigneur pour chacune de vos fautes, revenez de vos mauvaises voies. La Bible nous dit que Dieu vous effacera toute transgression, Dieu vous pardonnera, vous lavera de tout péché, vous redeviendrez blanc comme la neige et le Seigneur vous acceptera. Et Jésus nous a dit que celui qui gardera mes commandements, donc celui qui obéira, qui ne péchera plus, celui-là sera aimé de mon Père, je me ferai connaître à lui, je viendrai vivre chez lui, avec lui. Donc Dieu est à nos côtés chaque jour pour nous les enfants de Dieu. Donc marchons dans l'amour, prions pour tous nos frères, continuons à annoncer la parole de Dieu tant que nous le pouvons. Hein. Et à partir de là, le Seigneur tout simplement sera présent pour nous et nous donne aussi, chose incroyable, l'assurance de la vie éternelle. Voilà, chers frères et sœurs, ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur la plus grande tuerie qui a pu se passer donc aux États-Unis. Et on en verra malheureusement de plus en plus, c'est de plus en plus fréquent. Donc voilà, que Dieu nous préserve et nous protège de tous ces fous. Et que le Seigneur voilà, revienne chercher son Église, qu'il revienne. Viens Seigneur Jésus. Et c'est ce que les saints appellent, c'est ce que les saints acclament. Viens Seigneur Jésus, nous t'attendons. Soyez bénis, chers frères et sœurs, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi.
Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Et je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père ?» Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Aucun mensonge ne vient de la vérité. Sinon, celui qui nie que Jésus est le Christ, celui-là est l'Antéchrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a point non plus le Père. Quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Moi, Jésus, je viens bientôt. Vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés.